Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past till unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à toutes et à tous, Simi. C'est Paradox, c'est surtout. Et l'autre, pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Last of Us, partie 2. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve avec Gabi plus jeune, j'ai l'impression. Et on est au niveau... What, on est où? On dirait qu'on est dans l'aquarium, mais un mélange avec l'hôpital. What the fuck? J'espère en tout cas du coup que vous allez bien. La dernière fois, on s'est attaqué à un espèce de boss. Et donc... J'espère franchement que vous allez bien. Non, on est à l'hôpital. Ok, on est arrivé au jour 3 du coup. Owen, y'a que moi. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements de Yara. Je reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec des gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'entiche de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby. Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lev s'est calmé. Ça ira. Tu veux bien m'aider à le chercher?
Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Bon. C'est fou parce que... Lev, reviens s'il te plaît. Ouais, je peux en parler parce que mine de rien, ça s'est déjà ressenti. Ellie, par rapport à ce qu'elle a fait, enfin, notamment la torture que... et tout, j'ai l'impression qu'en fait le jeu veut nous faire la détestation en plus. Là où Abby, c'est l'inverse en fait. M'explique. Ellie est cool et ils veulent nous faire passer pour une ordure. Et Abby, c'est une ordure et ils veulent nous la faire passer pour quelqu'un de cool. En fait, j'ai l'impression qu'ils essayent d'inverser les... Et... Pourquoi pas. Mais c'est vrai que Ellie, notamment, bah, je vous l'ai dit, avec... comment elle s'appelle ? Nora, je crois. Où, pour moi, elle a vraiment été beaucoup... Beaucoup, beaucoup trop loin. Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Pour l'aider. Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev. Ah ouais, ce point-là. Lev, je suis désolée. Lev, viens ici. Lev, Lev. Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Tu as entendu ? Lev ! Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. Va chercher. Va chercher, ma belle. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Oula! Oui, t'es rapide. Mon dieu. Le ça? Pas du tout. Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah, voilà. Elle ne va pas me mordre, hein? Non, pas de danger. Trop mignon! Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. Trop mignon. Allez, va. Allez. On devrait continuer de le chercher. Je fais. Sinon, on va pouvoir passer des heures sur le chien. Lève. Pourquoi il fait ça? Je me demandais. Tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère?
elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. À ce point-là ? Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler... Lily. Pendant longtemps... Je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes parti. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est... la tradition. Pauvre gamin. Oh, donc en gros, il sert à rien, quoi. C'est où, Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île ? On ne la voit pas, mais elle est par ici. Encore une fois, je parle pas beaucoup. Le vieux parle pour moi, en fait. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Surtout que là en plus c'est des phases très intéressantes où on a Eve et Yara. Et je me pose la question de est-ce que Yara n'irait pas Santa Barbara ? Eve restera avec nous. Comme il dit. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je pense comme ça. Ça, c'est mignon. Bien. T'as trouvé quelque chose ? Non. Continue à chercher. Pour lui qui adore les requins. Et ça, t'en dis quoi ? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolé, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ?
Ouais, dans le couloir là-bas. Ok. Je peux te parler. Petit argent. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. T'as entendu ? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Ok, donc là on va jouer à Yara, du coup. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Et Wolf utilise cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Bon. Parfait. Ça déjà c'est pas mal. Par contre on n'a pas beaucoup de mentir. Ah voilà. Ok, bon. Ok, bon. Wow. Oh, c'est trop loin. Ma petite Yara, attends, il y aurait pas une porte là. Ça vient de commencer, je suis déjà paumé. Je peux casser toutes les fenêtres là. Et... Qu'est-ce que tu passes, Louis? Qu'est-ce que tu passes? Dis-moi la vérité. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons.
Ok. Fais gaffe. Mon Dieu. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Est-ce sûr? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. C'est une vraie tête de mule. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Mais il est trop indulgent avec elle. En même temps, c'est sa mère. Peut-être, mais ça, elle s'en fout. Et donc c'est vraiment leur tradition avant tout, quoi. Avant... presque leur famille, quoi. Un chou à ce point-là. Comme un chou à ce point-là. Faire le tour. Je suis paumé. Ça va vous? Moi je suis paumé. C'est par là, elle dit la meuf. Mon Dieu. Pardon, excuse-moi. Je voulais pas autant te pousser. Ok. Je te suis. Attends. Je m'en occupe. Par contre, si on la laisse rien faire, je pense que ça va pas le faire longtemps. Allez, c'est bon, vas-y. Je pense qu'elle va essayer de nous le reprocher. Ouais, c'est pas parce que j'ai un bras en manque, que je suis handicapé. Que je suis comme traité comme handicapé, pardon. De faire des choses et après on n'est pas là pour nous, on est là pour les. Alors bon. J'ai un truc là. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Yara. Elle a pas l'air de. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Est-ce qu'elle va pas s'en plaindre à un moment? J'espère pas, honnêtement. J'espère pas, c'est déjà bien assez le bordel comme ça. On va passer par là, alors. Quoi ce bruit d'eau? Bon, on va se soigner. Je sais que j'ai gaspillé des trousses de soins, mais bon, on les récupère, donc bon. Pas comme si elles étaient perdues à tout jamais.
Oui, l'échelle est là. Reste sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Ça veut dire que ça va être dangereux, va y avoir du monde. Ok, pour moi, si moi ça m'arrange comme ça, je peux m'infiltrer si je veux. Ça va permettre de bien m'infiltrer comme je veux. Ouais. Et balance en l'air. Pas vous le cacher que je m'en fous un petit peu. Ok. Tu m'avais flippé, toi. Ouais. Quoi? Merde. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canons. Maintenant. Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas... va falloir que tu m'aides à descendre. On y va. Sauf que t'es... sauf qu'on n'est pas avec vous. Enfin, on n'est pas vraiment avec vous. Oh là là, on est dans la merde. Planque-toi. Bouge plus. Il est rapide, ce mec. Il va buter tout le monde, l'équipe. Putain, le snipe, la vache. De quels intrus tu parles? Quelques jours, ils ont débarqué d'une part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Il est trop loin. Ah purée! Oh, ça va être chaud! Ça va être chaud. Et on recharge. Ok, où? Pas par là. On avance. Pas évident. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, l'angoisse. La vache. Oh l'angoisse. Et y a rien à choper là-dedans. Hey, par ici.
Aïe. La rue est impraticable. Merde. Bon, c'est quoi le plan? Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Ok, on est couvert derrière. Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Go, 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 go. Ok, on dégage. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Merde. Mais vous êtes au courant que nous on est là pour un Scar? Ça pue la merde cette histoire, non? Manny. Ça pue tout ça, ça pue! Ok. C'est de la merde. Encore. Ah, c'est pas évident. Aïe. On y va. Fin. Pars-toi. Aïe. C'est mieux. On y va. Ah!
merde, ils sont beaucoup. Ils sont énormément. Ah mon dieu, qui sont. Genre, ça visait 3 mètres à côté. Go. Il y a un claqueur. Faut qu'on attelle le pont avant qu'il s'échappe. Go. J'ai hâte d'avoir ce type en face de moi. Vous allez voir que... Ouais non, peut-être pas non plus. Mais ce serait bien capable d'être... Ce serait pas quelqu'un de néant. Pas deux secondes. On met bien question, une question. Aïe. Ça fait en mode... Ok, enfoiré, t'es chez nous. C'est quoi ce saut qui a pas marché là? Ah, vous l'avez vu le saut? Il a pas voulu. Ouais, d'où. Allez, par ici. Bon. Et donc je préfère l'aller mais je préfère le retour. Vas-y. À terre. Et merde. Thank you.
Il est juste là. Allez, 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 allez. Go, go, go. Relou. Contrôle-le. C'est fini pour toi, poteau. Avance. Ouais. Il est coincé. Tant pis, on va. Alors toi, le torse est déjà considéré comme étant mort. Attendez, c'est Tommy ? Est-ce que ça va ? Abby ? Oui. Et toi ? Oui. C'était qui ? Regarde. C'est pas. On retrouve l'Ève et on rentre à la tortue. Allez, on prendra le bateau. C'est passé super vite, mais je suis persuadé que c'est Tommy. Thank you.
par où? Suis-moi. Ils sont où? Y a pas de garde? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Eh bien, sur ce, les amis, l'épisode est peut-être un peu plus court, mais pour ne rien vous cacher, il doit sortir aujourd'hui. Alors, je tourne, il est 15h, il doit sortir à 17h. Donc bon, j'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous a plu. Et puis, mine de rien, voilà, on aura fait une belle partie, on s'arrête sur... Moi, j'ai vu Tommy. Est-ce que c'était vraiment lui ou pas? Mais moi, j'ai vu Tommy. J'espère en tout cas, du coup, franchement, j'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le feront. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite. Merci à tous. C'était Para, bien évidemment. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde, allez. Bye. Ciao ciao tout le monde. Bye.